Bien, messieurs, dames, vous allez assister à l'éviscération de notre bonne vieille capitale. Le sujet de ce jour remonte à l'occupation romaine. Son appellation exacte est cavité d'en bas. Veuillez comprendre, catacombe. En voici la définition selon les termes de la nomenclature. Édition 1830. Souterrain ayant servi de sépulture ou d'ossuaire. Mais diverses lectures ancestrales ont révélé que les seuls habitants de ces cavités ténébreuses sont morts depuis presque 1000 ans pour certains. Mais qui sont ces morts? Et d'où viennent-ils? Vous en savez quelque chose? Non. Réponse en image. Nous sommes au XVIIIe siècle et les cimetières de Paris, alors complètement saturés par des siècles d'épidémies et de famines, voient les cadavres continuer de s'entasser dans des charniers peu recommandés et surtout peu recommandables. La ville de Paris décide alors de procéder au démantèlement des restes organiques de ses concitoyens. Cette masse singulière représente plus de 6 millions de défunts. On y retrouve parmi ces ossements ceux de Villon, Rabelais, la mère de Mozart et certainement quelques-uns de vos ancêtres. Les crânes avec les crânes, les tibias avec les tibias, ainsi de suite. Les âmes oubliées hantent le sous-sol parisien comme celles des 800 fédérés abattus par les Versaillais et laissés pour compte dans les entrailles de Paris en 1871. Original également, l'histoire d'un certain Philippe Asper qui descendit dans les catacombes le 3 novembre 1793. Il s'y perdit, mourut de faim et fut retrouvé par hasard 11 ans plus tard. Son tombeau est à l'endroit même où sa dépouille fut découverte. Sur le plan scientifique, les catacombes de Paris sont en réalité pour l'extrême majorité des carrières de pierre qui ont servi à bâtir la ville des Lumières. Ces carrières correspondraient à 300 km de couloirs et de salles, un réseau qui représente à lui seul 3150 hectares, soit deux fois plus important que celui du métro parisien. Entrelace gigantesque oublié et fermé au commun des mortels. Désappointant. Et dire que certains films d'épouvante font un chambard d'un vieux cimetière indien construit sous des maisons. Alors qu'à Paris, nous avons des millions de cadavres. Près de trois fois la ville de Paris en habitant. Juste sous nos pieds. Et qui, pour sûr, ne dorment pas tous du sommeil du juste. Et d'ailleurs, savez-vous sur quoi est bâti votre logement ?